Le projet Une école 5 hectares de forêt, lancé au collège moderne de Songon, dans la banlieue d'Abidjan. Une initiative du ministère des Eaux et Forêts. Elle vise à promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire, inculquer aux élèves et à la communauté éducative une culture éco-citoyenne et aussi satisfaire les besoins pédagogiques et matériels de cette communauté sur toute l'étendue du territoire national. Par ce projet, le ministère des Eaux et Forêts vise deux objectifs. Premièrement, accroître le couvert forestier de notre pays. Deuxièmement, améliorer les conditions d'études et de vie dans le milieu scolaire par la création d'un environnement propice. La notabilité de Songon, tout en saluant l'initiative du gouvernement, souhaite que soient associés les chefs de communauté et les propriétaires terriens. Outre le ministre des Eaux et Forêts, outre l'éducation nationale, il faut impliquer le ministère de l'Intérieur, avec les préfets, sous-préfets, tout le personnel, les maires, les communautés villageoises. C'est nous qui détenons des terres, voyez, d'où le ministère de l'Intérieur, pour que la communauté de base, qui est la chefferie du village, soit associée à ce projet très important, pour que nous nous dégageons des périmètres de 5 hectares, 10 hectares, pour planter des forêts. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et les partenaires au développement s'engagent à soutenir ce projet. Ils invitent les directeurs régionaux et départementaux, les chefs de service et chefs d'établissement à se mobiliser pour le suivi du reboisement scolaire. L'entité opérationnelle du projet dans chaque établissement est le club des amis de la forêt. Le projet Une école, 5 hectares de forêt apporte des solutions à la question de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement de la planète.